c'est pas une galère. Pro, ça clignote. Casque drague. Le casque drague monte bien le prix. Ouais, après, tu prends un plus 11, plus 12, ça va, tu t'en sors. Mais oui, t'as raison, Pharaon. On est dans la méta 160, donc forcément, les mecs ont un petit peu de résistance. Jouer avec un casque drague en mode 2 pouces, c'est quand même le minimum. Je suis très chaud de choper un mec T1, là. Alors, je suis avec un Kras 134, pas de bol. Pas de bol, c'est lose. Eux n'ont pas de Kras, ils ont gagné. Alors, par contre, ils ont un Zobal. On n'aura pas l'ini, hein. Impossible qu'on ait l'ini, sachant que moi je vais dans ma team en jouant Terre de Poule. T'as peut-être être le Sacri. Non, c'est Luginac. Général Saga, poil et raise. Casse-foudra, Cap Minotauri. Kaznak ouf ouf, Kaznak ouf ouf. Le Kazunak de Préfus, ma classe préférée. En fait, faut que vous alliez sur mon site, hein, les gars, pour sauver, parce que c'est pas normal que tout votre Theorycraft repose sur Cap Minotauri et Casque Drague. Hein. Enfin, c'est pas seulement que ça pue la merde. C'est que votre développement intellectuel est extrêmement limité, du coup. Et je dis pas ça en mode, ouais, je suis le meilleur joueur de Dofus, tout ça. Non, je le suis. Mais c'est juste que, à force de jouer que des modes comme ça, vous allez arriver niveau 160 face à des joueurs qui, eux, ont autre chose que des stuff visant absolument Kasura Miotoris, et vous allez manquer de stats. Salut, Level. Level 140, ouais, je suis dans la 140 là. Bon, du coup, on aura un T2 de ouf. Full retour dodo. Même le Kra retour dodo, comme ça il peut peut-être charger sa redamp, je sais pas s'il y a une redamp. C'est un Kra casu, hein, donc je regarde un petit peu sa cape, il est feu. Ça met le JB ou pas? Ça met la proie? Ça met la proie sur le Zobal. Très 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 mauvaise idée, je pense, d'avoir proie déjà T1, parce que tu pourras pas la replacer T2, et suivant notre focus, sachant que ça va être compliqué de focus un Zobal. Respecte les Kazunak, bordel. Étant fan du Kazunak, je reconnais son cheat absolu et le nerf imminent de cette classe. Il faut nerf quoi sur le Kazunak, le chat? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. En réalité, il n'y a pas grand-chose. Tu dégages de la Maroc. Et déjà, le Kazunak est un petit peu moins un Kazunak. Mais prochainement, on aura peut-être des Kazuwa. Et t'arraches Molos Amarok. C'est vraiment Molos Amarok qui casse les couilles. C'est pas fun. T'es là, t'as un CAC qui tape du 1000. Bah, les mecs, du coup, ils vont mettre maîtrise. Enfin, le nerf de la maîtrise d'arme. Du coup, tu vas avoir un malus de 30%. Les Kazunak, ils vont tous jouer ça, hein, t'inquiète pas. Les plus gros forceurs de ce jeu sont les Kazunak. Et les Oza, mais eux, c'est plutôt niveau 130 qui force. Donc ton CAC, au lieu de taper du 1000, il va taper du 200. Voilà. Du 200. Voilà, parce que là, le Zobal, j'ai pas le focus, en fait. Il fait rire. Jamais de la vie.
Allez, 1800 HP sur Général Saga. Lui, il va le shielder encore, je pense. Nerf le dog x2 au lieu de 3, c'est cool. Ça spam dog Je vois pas beaucoup de Junak faire dog, dog, dog. Comment ça, les dosages, j'en ai pas croisé un seul qui savait jouer. J'ai presque 4000 de cote. Bah, on sait que quand on croise un Noza niveau 130, c'est pas un Noza qui a plus de 700 de stats. Hein. C'est des forceurs. Oza, historiquement, c'est la classe des forceurs. Avant, c'était les mecs qui jouaient avec leur panoplie coolos, là. Full spam invoke, 15 invoke sur leur stuff. Vive le forcing, combien de code les cas? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a encore des bots la nuit ou quoi? Parce que moi on me dit qu'on les croise, mais moi je les vois pas. Comment je les torche le Kazunak? Le Kra est en retour dodo. Hein. Donc s'il arrive à survivre, il fait un massacre. Le chat, le Kra va faire un massacre. C'est sûr et certain. Le Sacker tente un 1v1 contre le Roquet. Qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Ok. Le massacre du Kra, attention. Il avait 15 PA. Non mais ça, on s'en bat les couilles. Mais putain, mais c'est ouf quoi. Mais waouh! Moins 170! Retour dodo, full tour à 15 PA, Chaffer et moins 170! Non mais c'est grave là quand même. Hein. J'ai des mecs dans le chat qui sont au niveau 40 et qui sont plus utiles que lui. Bon après c'est bien s'il focus notre caillou quoi, c'est un caillou dans la chaussure lui. Ouais c'est pas mal s'il le focus. Ok, ça vire. Ah merde, j'ai tapé mon Nougi. Pas grave. Ok, 1 pour 1, le deal est très très bon. C'est nimp aussi, les cadeaux vous. Non, en vrai, c'est legit. Legit, legit de ouf. Merci. Gun gros pour le prime. Il joue comment lui? Si seulement il était feu de poule, il aurait fait un massacre. Mais bon, les gars, niveau 158. Ils lâchent pas leur cap mini-autorise de merde. Résultat, on se retrouve à faire les dogs à moins 150 sur un mec qui a 7% raise. Bon, après, ok, elles sont masse grimaçant, mais... Lâchez-moi cette cape de connard. C'est fou. C'est comme si on se disait, au niveau 200, avec mon stuff agi, je manque de résistance. Et si je mettais un rouleau à pâtisserie d'Hermine? C'est le truc qui... C'est la même chose, hein, cap mini-autorise, ça ne donne pas au start, ça pue la merde. Ça te donne juste des raids, voilà. Z. Réflexe de cuck. Alors. Tac. Tac.
fait chier avec son roquet. Bah, si je fais pas les dégâts, qui va les faire? J'ai fait quoi comme roulette? Enfin, coup du sort, hein, j'utilise. Ah, je vois pas. J'ai gagné 2 PA. Pas mal. Banger. Oui. Ouais, c'est bien. C'est géré. Franchement, c'était un 2v3. Hein. Avec le cra. Sympa, sympa le combat. Allez, qui crove. Go, 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 go. Go, qui crove. Go. Go. On y va, on y va, on y va. C'est parti, qui crove. Ouais. Alors ça, c'est un sacri avec sa muse à mune. Pas mal, hein. Alors, je vais devoir plier ce combat dignement. Oh, putain. Il est relou, hein. HP. Ouais, il tape quand même. En vrai, il tape. J'ai peut-être été mauvaise langue. Parce qu'un sacré 40% raise plus souffrance 10 maintenant, ça tanque de ouf. Bien joué à team. C'était un molosse ça, du coup, il peut pas l'achever. Il n'y a pas de crocobure, il n'y a pas de crocobure. C'est fou de se dire que Luginac niveau 100... Là, il est 150, mais Luginac niveau 100, il a absolument tout le gameplay de Luginac niveau 200. Le seul truc qui manque, c'est la crocobure. Mais tout le gameplay, il est déjà acquis au niveau 100. Je trouve ça marrant. Un peu comme les K-Flip, hein, ceci dit. Qu'est-ce qui me manque finalement? Il manque la fanfaronnade, bon. Osef. Merci, Usagi. Merci beaucoup pour le sub.